Oui, c'est vrai que ça qui est ouais, exactement. Bah oui, oui, c'est important. En fait, les gens se déplacent beaucoup pour les présidentielles, mais on se rend pas compte qu'après les législatives, ça compte aussi largement ouais, autant. Tout quoi. Autant, ouais, exactement. À base de la gare à gauche. Et ça a des avantages et des inconvénients. Ouais, c'est que deux. Du coup, ça peut être plus compliqué pour le président, mais en même temps, ça peut apporter plus de diversité et plus de mélange et que tout le monde soit bien représenté. Mais c'est pour son courrier. Ce, mais que cette coalition, ce parti aura pas la majorité absolue et que du coup ils doivent débaucher à ce moment-là des députés d'autres partis politiques ou faire un accord avec un autre parti politique. Mais c'est sûr qu'il y aura. Là on part pour 5 ans compliqués je pense à l'Assemblée nationale. Ça sert un peu à rien, j'ai l'impression, parce que de toute façon, on est coincé dans une situation assez compliquée. Mais en même temps, si on veut faire changer les choses, il faut savoir se bouger. Donc je trouve que les gens qui vont pas voter ont leurs raisons et ils font bien de suivre leurs convictions. Et en même temps, c'est peut-être mieux de quand même essayer de faire bouger les choses en allant voter.